Yo tout le monde, c'est Dragonite et on se retrouve pour le nouvel épisode du Nuzlocke sur Noir 2 et comme vous le voyez actuellement. Et bah en fait j'ai pris ce footel là, mais là en fait l'épisode va pas non plus commencer tout de suite. Vu que en fait j'ai vu qu'il évoluait encore niveau 41 et c'est vraiment pas mal quoi. Alors du coup là je vous retrouve juste après l'évolution. Et après l'évolution on se retrouve encore pour vraiment commencer l'épisode. Du coup bah à tout de suite. Du coup on se retrouve pour l'évolution. Je fais désolé mais là je m'étire. On fait l'évolution, je fais encore un tout petit peu XP ma team et l'épisode pourra enfin commencer. Et nous avons voilà un joli Cinderella. Du coup à tout à tout de suite. Et du coup voilà maintenant c'est bon. Je fais un retrait bizarre, c'est pas grave. J'ai mis tout mon niveau 42, j'ai intégré Travesti à la team, j'aurais donné des objets. Alors du coup on va faire un petit tour de la team. Travesti je lui ai appris par CT rayon chargé. Et je lui avais mis case éclair mais vu qu'il a appris psycho j'ai trouvé ça mieux. C'est pas grave d'avoir deux stabs hein, qui frappent sur le physique 1 sur le SP. Et il y a flatterie qui peut être assez bien contre les attaquants physiques. J'ai mis le grelococque vu que c'est un poké qui se place pour pouvoir se soigner. Ensuite on a Zoroark qui n'a pas changé, toujours ceinture pro. Power qui lui a appris surpuissance, j'ai viré rebond qui était très rarement utile, du coup c'est vraiment sympa ça, surpuissance, c'est vraiment pas mal comme attaque. Ensuite on a RPZ Paris, en fait lui j'ai mis l'antiscope parce que je me suis rappelé qu'il avait le talent chanceux. Alors du coup ça peut être pas mal pour augmenter les taux de critique. Ensuite Gunfire n'a pas changé, toujours casque bleu. Ah, casque brut. Slash non plus n'a pas changé. Du coup, voilà, c'est fini. J'ai fait le tour de la team. Là, franchement, la team est quand même assez solide. D'ailleurs, je vais un peu sauvegarder au cas où parce que j'ai même pas sauvegardé. Du coup, tac, ça sauvegarde. Voilà. Alors, on va retrouver la Bianca qui nous a gâché la meilleure zone. Bon, la meilleure zone, non. C'est pas non plus la meilleure zone. Mais, on pouvait avoir mis notre top quoi. Bon. Il y a quand même un épisode d'espace entre deux. Hein. Je vais arrêter ma PLS. Mais voilà quoi. C'était pas très sardi tout ce cas. Tout ça. Bon. Ça me fait un peu chier les poké sauvages honnêtement. Du coup, repousse. Alors, qu'est-ce qu'ils ont eu comme poké? Zéolite et Nosferaptor. Ok, on a deux, il y a deux types psy, on va faire Shock Psy, Nosferalto, Acrobatie. Ok, sur Moussana, parfait. Oh la vache, les dégâts sont bon, coup critique. Mais les dégâts sont assez ouf quand même. Bien sûr, ça tue. Ok. Écosphère. Ah bah, Écol, il a Écosphère, il va bien le défoncer. Bon, fermeté, j'imagine, ouais. Éboulement et Travesti à esquiver, mais c'est parfait ça. Bon, honnêtement, j'ai un peu peur de la boue de feu du Darumatsu qui, honnêtement, ça, il y a des, ça, je pense que ça peut tuer, honnêtement. Alors du coup, on switch ouais, sur Grumfire, casque brut plus les dégâts de recul, hein, je pense que ça fait le taf. Ah, il fait boue de feu sur mon chenin. Bon, du coup, éboulement, ouais, ça passe. King of Wind, bon, je pense qu'il va pouvoir gérer le géolithe. Entre temps, nous, on fait conne. Ok, il fait bluff, bon, le truc. Ah bah oui, il était presque mort. Donc une Gofouine adieu. De toute façon, il est pas à nous, du coup, on s'en bat les couilles qu'il meurt. Ça fait quand même connard comment j'ai dit ça, mais... Ah, Minotto. Ça fait bien connard comment j'ai dit ça. Mania, mania, ouais, non, ça passe. Croix éclair, ça, ouais, ça tue. Ok, on est plus rapide que Minotto. À chaque fois que je vais... qu'on va rencontrer un Minotaure, je vais avoir cette voix triste quand je dis Minotaure. Ça sera le... Oh, nos pokés sont soignés automatiquement. Ça sera le petit truc de l'épisode, quoi. Alors, bon, peut-être qu'on va pas en retrouver des Minotaures. Putain, ah ouais, le nom de la dernière ville, Papuella, quoi. Ça fait bizarre, quoi. Vibranif me fait un peu plus peur quand même. Hein. Vibranif, c'est plutôt que ça.
Ok, rayon jet fait, ouais, fait pas grand chose. Tellurie force. Oh, l'animation elle est sympa. Bon, ça, ça doit faire bugger, ça je pense. On défense Peggy Bess. Et Psycho qui one shot. Et ballon. Ah, il a ballon. Ok. Gamerupt, c'est quand même plus dangereux que le gros Ray. Ça tue, ça tue, ça tue pas. Bon, ballon, lui non plus, il est pas mort. On fait Psycho aller au hasard pour qu'il en base sur Gouré. Oh non, il fait repos. Non, c'est sale. Sale. Putain, non. Pourquoi il a fait repos? Je crois qu'il est quoi. Genre, soit comme si c'est plus utile dans ce cas-là, vu que Gouré n'a pas trop de une bonne défense, mais il a une grosse défense P, quoi. Du coup, ça, voilà pourquoi c'est plutôt pas mal. Leur gros drive, même quand j'étais un Mesmerella, effectivement ne faisait pas grand chose. Il vend mauvais d'ailleurs, du coup on tente bien les deux. Hein. Et vu les PV à ce truc, on va bien se régénérer. Oh, j'aurais pensé plus. Putain. On va pas non plus tenter le crit. Hein. Ok, il voulait tuer Moussana. Mais Moussana, il a trop de bugs. Ah la vache, c'est assez impressionnant quand même. Bon, on peut passer par là, non? Je pense, à des moments, il y a des petites entrées à moitié cachées. Du coup, au cas où, j'allais voir. Ouais, il y a masse de combats duo. En vrai, c'est plutôt sympa, ça change les combats duo. Mais je préfère le monde d'envers dans cette version, parce que je trouve qu'en bleu, c'est plus joli qu'en rouge, quoi. Dans l'autre version, c'est en rouge, mais je trouve ça plus beau comme ça. Quoi. Enfin bref, dans tous les cas, il va faire Psycho. Mais l'ouvrifié me fait quand même plus peur. Non, je suis con, ce truc, il va pas avoir sabotage dans cette génération. Je fais quand même plus peur. Crabarak, ce truc, il peut me plaire, quoi. Derrière, bon, on pouvait tuer le Black Messine, mais ouais, non, ça passe. J'avais pas envie de trop tenter le feu, quoi. Bon, on va se hyper pour. J'ai plus les mêmes d'ailleurs. Du coup, voilà. Par contre, j'ai pas trop non plus envie de jouer avec le crit. Désolé de switch à chaque fois, mais j'ai toujours un peu peur, quoi. Du coup, power! Lame d'air, ouais, comme d'hab. Bon, il nous fait des dégâts quand même, le lac Messi. Bon, ça fait pas grand chose. Et du coup, retour, ça tue. Et ils sont morts. À la porte, il y a une petite. Voilà, c'est un peu cassé par exemple. Eh, mais la sortie, elle est déjà là. Je pense que c'est la sortie de Vaglon. Non. Mais il y a. Attendez. Ah, elle est là, c'était Balombre. Parce que j'ai vu sur internet qu'il y avait cité Balland. Bah du coup on va aller la chercher tout à l'heure juste après avoir largué Bianca. Est-ce que Balland sur Cyderella ça peut être bien? Je pense qu'on vira un des deux attaques psy. Branette. Non, il va nous défoncer à coup de stab. Ouais, fin. Bon, c'est pas un stab, ça nous aurait pas tué. À quoi quoi. Bon, ça m'étonnerait qu'il ait rayon final. Ouh, ça fait mal, Hydroque. Hein. Un crit et on avait plus Zora. Bon, on switch. I've got power. Allez, juste pour la beauté. Surpuissance. Psycho de boule. J'espère pas qu'on va être apeuré. Ok. Putain, ça fait quand même bad à ce qu'on fait surpuissance, quoi. Ouais, bon, les attaques qui baissent, on s'en fout. Ouais, il nous donne un Bekikar. Ok. Et il nous donne une traduction en plus. Bon, ça en bat carrément les steaks, mais c'est pas grave. Alors, un infirmier, Alberto avec son Winolove. Ouais, plénitude, mais... Bon, on gagne. Ok. Coup critique, ça fait qu'accélérer le match comme on dit dans cet épisode. Je le dis assez souvent. Alors, la spoil. Ils disent direct que c'est R3 alors que c'est après la ligue qu'on va le choper. Ah non, mais choquer déchu du spoil, quoi.
tout. Non, on va un peu changer de Cinderella, il commence un peu à me saouler. On va... Ah, j'aime bien, franchement, le... Slash. Il frappe vraiment fort, pourtant il est même pas évolué au max, quoi. Mais ça sera le feu quand il sera en trop chaudon. Polyros. Ça pourrait être utile, c'est... Si on aurait des Pokémon l'utilisant. Et là qui est le Riolo? Ah oui, c'est un combat... C'est un combat tri... Ah ouais, non, c'est un combat trio. Combat du coup, Riolo, tac. Ah merde, c'est pas le vrai Cinderella. Ben, il se fait défoncer hein, dans ce cas-là. Et I've got power. Bon. Tac. Bon, Dracobru, ça va one shot, hein, bien sûr. À mon avis, retour aussi. Ouais, Riolu n'est pas très bon. Dynamo. Ouh. Mais what? Comment ça se fait qu'on n'ait pas été confus? C'est bizarre. Pourtant, je crois que ça met 100% de chance de confus. Bon, bah, je sais pas. Je comprends pas. Bon, de toute façon, on défonce l'ouvrier. On défonce le portugais. Ok, combattant de sang. Putain, mais pourquoi ils prennent des prénoms aussi clichés, quoi? Un Minotto. On va switch. I've got power. Comme ça. On défonce les Minotto. Pas coup de surf. Tac. Ok, il y en a qui résiste. Et derrière, il fait que faire le tue pas. On retour. Ok. Bon, bah, on a battu les Minotto. Attendez, j'arrête 2 secondes. Alors du coup repousse, on s'en fout. Enfin mais je viens de penser à un truc, à chaque fois je dis re mais il y a eu 0 seconde de décalage. Je me sens un peu con quand même. Ouais encore les Minotto. Ouais bon. Bon bah comme d'hab on les défonce parce qu'on peut pas switch hein. Ils sont un peu trop rapides ces Minotto. Ah ouais genre il tank comme ça quoi. Ok. On va y. Ok. La sortie elle est par où? J'aime bien la musique. Il y a un objet là? On n'a pas trouvé. Hyper potion. Bon, c'est pas ouf. Non j'en ai marre un peu de trouver les Minotaurs. Ça me saoule. Du coup je pense qu'il va falloir retourner en arrière par là. Tac. Ok, on peut pas utiliser la bicyclette. Ah la musique elle est sympa quand même. On les a fait. Ah on a. Quoi Lyoshi on l'a combattu? Ah c'est pas un... Il est pas à combattre. Ah cool, c'était fauchage. Y a quoi quand on descend vers le bas? Peut-être la sortie, ou alors c'était l'autre porte là-bas. Bon, Miradar dans Draco et on défonce à coup de Draco Griffe. Ouais ça. Putain mais ce truc il défonce tout, c'est dingue. C'est vraiment assez ouf quoi. Griffombre. L'animation, je la trouve assez bizarre, le bruit c'est un. Je trouve ça assez étrange. On le met orbe toxique si on a poké avec cran, ça peut être bien. Bon, c'est le genre de truc que je dis ça, mais j'utiliserai jamais vu que c'est un peu trop dangereux en Nuzlocke. Mais bon. Oui, on sépare de l'autre connasse. Et on arrive avec l'un. Bon bah du coup, comme je dis, on go chercher la CT truc là. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, de toute façon, on va vol. Tac. Du coup on a juste un tout petit peu continué le chemin par ici. Par où? Ah on passe par là. Et c'était pas l'ombre. Bon bah du coup Travesti il va avoir des bonnes attaques maintenant. Mais d'ailleurs Polyrush quelqu'un peut apprendre par hasard? Non même pas. Fauchage où il y a Flash mais ouais ça s'arrête là. Ouais bon les horreurs qu'aussi peut apprendre mais
c'est pas ouf quoi, parce que bah, l'ombre translu c'est un peu la même couverture et Treachery est stabé, translu est stabé, ou Treachery aussi hein. Du coup on vire, non quoi que on va virer Flattery en vrai, c'est pas ouf. Du coup tac, on a un bon petit move pool sympa avec Cinderella. Du coup c'est plutôt cool. La vache, on avance pas mal dans l'aventure là en vrai. Bon, Vagelon, on arrive au centre Pokémon, mais on n'est jamais allé le voir. Qu'est-ce qu'il dit lui? C'est le du mec qui s'en bat totalement les couilles. Y'a rien par là. Et par contre, le décor de Vagelon est plutôt sympa. Ok, Jude B, mais on joue pas Little Cup, monsieur. Le mec au calme qui va avec son vélo sur la terrasse. Ah, la musique, ouais, elle est vraiment sympa, quoi. On... Lui, qu'est-ce qu'il dit? Mais d'ailleurs, mais c'est quoi ces expressions beauf? Attends, je veux des objets rares dignes d'un gros Rissard, ma bouse. Mais tu n'as rien qui vaille mes pépettes, putain. Beauf de France! D'ailleurs, Unis, je sais pas trop de quoi s'inspirer, parce que je sais pas, je me demande bien ce que c'est, quoi. De quoi s'inspirer. Non, pourquoi on les soignerait? Bah si, quoique. Bah non, quoique, on a déjà été soigné par Bianca. Une Bécitrus à 1000$, mais non. Ça sert un peu à rien. Ah, de toute façon, ils nous la vendaient même pas. Ah, mais c'est de l'arnaque! Ah, mais je suis trop déçu, je pensais qu'il y avait un truc pour farmer les Bécitrus ici, on est appelé. Du coup, voilà. Bon, bah. Oh, la musique, elle est sympa. Moi, j'aime bien. Et je crois qu'il y a des zones vraiment sympas, je crois, vers le coin. De mémoire. Lockdown. Non, je voulais faire. Transgriffe. Draco Gris. Bon, de toute façon, là, on est sûr de le défoncer en un coup, le lapin. Et on monte niveau 43. D'ailleurs, vous avez vu, je joue même plus le chance. Hein. C'est pour... je fais des progrès. Hein. Grande perle. Bah, la zone, on l'a fait comme ça. On l'a fait par herbe. Non, bah, quoique, hein, comme d'habitude, hein, je vais aller voir sur internet ce qu'il y a. Du coup, on finit le combat et... Et à tout de suite, et cette fois-là, je vais faire gaffe de pas dire quoi, mais avant, on finit le combat avec ce putain d'Alcati chiant. Ok. Quand je suis fini. Putain, mais pourquoi moi? Ok, c'est bon. Bon, du coup, bah, même pas tout de suite. Pour... Mais en fait, pourquoi je dis à tout de suite? Enfin, bref. Ouais, bon, du coup, il y a des... J'ai même pas dire eux. Avec un peu de chance, on peut trouver un Kyogre ou un Absol qui peut être bien, sinon on va se taper un Tilton, un Altaria, ce que je veux le moins. Ou alors un Nakokwak ou un Drodrive. Mais quoi que, on va plutôt aller dans les herbes sombres vu que je crois qu'on peut avoir des... Enfin, on a le choix entre deux Poké, du coup plus de chance de trouver un truc qui m'intéresse. On faisait un combat. Vive la retraite là. Ah non, on n'est pas avec Travis, c'est vrai. Putain, ça va commencer à paumer ça, les deux joueurs. Bon, les petits retours crit. Non, même pas. Ok. Petit retour crit. Please, please. Oh non, on a perdu RPZ Paris. Oh non. Oh non, on a perdu le symbole du Nuzlocke. Oh non. Non. Oh non, je suis trop triste. Ah non, c'était le Poké qui représentait ce let's play. C'était le seul, le pigeon, l'unique, le BG. Non. RIP, RPZ Paris, tu resteras tout jamais dans nos cœurs. Oh non, je suis deg. On avait un beau pigeon. On avait un pigeon digne, fier d'être un pigeon. Un pigeon puissant. Mais il est mort, à cause de ma stupidité. Je suis dégoûté. Tu méritais de vivre, pigeon. RT si t'es triste. Et abonne-toi surtout. Je veux de la YouTube monnaie. Oui bon. Du coup on se reconcentre.
Et voilà. Retour, ça me fait... Oh, ça me fait chier quand même qu'il soit mort RPZ par. C'était le baiser, le seul, l'unique, le poteau, le vrai. Bon. Ah, c'est triste. Ouais non ça va. Je me sentirais bien con si le starter aussi est mauvais là. Bon je vois pas d'où il pourrait m'attaquer là le Bargantua vu que là normalement elle est censée pas me voir, je vais quand même soigner. Au cas où. Damoclès, ok, on s'en fout. Putain, RPZ Paris est mort quoi. C'était triste. Bon du coup. On fait cette zone, à mon avis le remplaçant d'RPZ Paris sera ici. Et nous avons le choix entre un Aquacoque et un Altaria. Aucun des deux ne va remplacer RPZ Paris. Surtout dans nos cas. Alors du coup lequel on garde? En vrai je m'en bats carrément les steaks. De qui on garde les deux. Du coup tac on va faire Dracogriffe sur un. J'ai perdu. Non. Non. Ouais non ça va. J'ai perdu des goûts à la vie depuis que j'ai perdu mon pilon en compagnie. C'est triste. Bon, on switch. Slice. Quoi? Ah non, il est au combat. Travesti. Et du coup ici on balance une hyperbole. La vie n'a plus aucun. Quoi? Mais quoi? Ah ok, faut peut-être quand on switch on peut pas. Peut-être quand on switch du coup on peut pas. Hyperball. Ah oui, on peut pas faire une attaque hyperball en même temps. Mais c'est de l'arnaque. Ok, non, filet ball. Putain, mais ça a combien de taux de capture ce truc? Il fait mal, hein. On prend cher. Mais ça va être l'épisode du fail. Non, non, je pense qu'on perd pas plus de poké que le pigeon. Notre ami pigeon est décédé. C'est triste. Mais ça... Mais ça a combien de capture ce aquatic? Ouais, non, mais ce qu'on va faire... J'ai pas gassé toutes mes balles pour un poké que je suis pas sûr de choper du coup. Chope... non, plutôt Balombre au cas où. Hein. Il meurt ou il meurt pas. Du coup, voilà. Dans ce draco, on va pas non plus faire exprès de le tuer. Parce que du coup, je veux pas gasser toutes mes griffes pour un... toutes mes balles pour un poké que je suis pas sûr de choper. Bon. Là, il a plus beaucoup de vie. Ouais, bon, c'est bon, il peut choper. Je sais pas, on va la... J'ai pas d'idée, on va l'appeler Canard 2.0. Tac. Vu qu'on a déjà un canard. Tac. Canard 2.0, voilà. Ah non mais cette zone m'a porté malchance en vrai. Parce que déjà il y a eu aucun des deux pokés que je voulais qui est apparu durant le combat double. Et surtout on a perdu RPZ Paris. Le seul, l'unique, le vrai, le beau. Ok, il y a des gens très gênants, très étranges qui bloquent. Bon bah du coup on va quitter cette zone molle. Bloomfire n'a plus beaucoup de vie. On va le soigner, au cas où. Sinon il défonce la moitié de cette team à coup de tacle fond. Bon à part Zeblitz qui sent bien mine de rien. Sac de neuf, ça fait totalement def. Oh, lance-flamme. Vas-y, je vais virer tac le feu. Vu que tac le feu, c'est... On voit souvent que c'est pas ouf. Du coup, tac. Et lance-flamme. Quoique, ça a peut-être une défense potable. Non. Non. Coup de jeu. Ok. Force. Ok. Putain, mais je suis trop... Je me sens trop dégoûté pour RPZ Paris. Mon pigeon adoré, tu es mort. À cause de ma stupidité. Je méritais de mourir à ta place.
Vaglone d'ailleurs, c'est une nouvelle zone. Oh, vas-y, allez, on va pas se priver, on va regarder sur internet ce qu'il y a. Ok, allez, à tout de suite. Bon, si on a beaucoup de chance, on trouve un Staros. Si on a un peu de chance, on trouve un Moyad. Sinon, Bargantua ou Starry. Starry, ok. Lance-flamme va pas tuer. Ça prend Gyroball, ce truc. Ok, même avec le mur de lumière, on est... Oh putain, on est sûr. On est vraiment sûr et certain de rien tuer. Putain, mais c'est fou qu'elle prend Gyroball, quoi. Bon. Non, on va pas Master Ball non plus, hein. Pokéball, ça suffit. Bon, allez, on spam les Pokéballs. Putain. Lilliput. Ok. Patrick. J'ai... Voilà, j'ai pas besoin de me justifier. Du coup, ouais, j'ai plus trop de temps disponible là, du coup, on va arrêter l'épisode là. À mon avis, je prendrai Patrick quand Zumaril sera mort. J'arrête l'épisode là. Attendez, on va quand même voir la nature de Patrick. Enfin, et puis ses attaques aussi. Bonjour Patrick. Patrick est brave. Non mais non. Un poké hyper rapide qui frappe pas sur le physique avec une telle nature, c'est vraiment de la merde. Et canard 2.0, il est hardy nature neutre, ça c'est cool avec deux attaques potables. Donc bah du coup Patrick, je ne le prendrai jamais. Patrick, tu es moche. Du coup j'arrête l'épisode là. Si celui-là vous a plu, vous pouvez quand même laisser un like, un commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et mettre en commentaire le hashtag PrayForRPZParis. Du coup voilà, salut tout le monde, c'était Dragonite. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.